Salut, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que le son est bon. Salut Marie-Laure, est-ce que le son est bon? Première vérification. Tac, voilà, j'interroge, je consulte. Le son est-il bon? Tac, tac. Salut Théo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va se faire une petite soirée de présentation 5 sur 5. Yeah, merci. Salut Greg. Salut Val. Marie-Laure. Impeccable. Comment ça va? Bah ça va, je suis un peu crevé. J'ai eu une grosse fin de semaine dernière. Mais ça va, ça va. Je tiens le coup dans le sens que les activités de cet été qui sont en train de se mettre en place, le programme de l'été qui est en train de se mettre en place, est très lourd et très complexe à mettre en place. Enfin, complexe, c'est pas extrêmement compliqué, mais c'est laborieux parce que c'est beaucoup de monde, c'est de l'organisation, c'est de la logistique. Voilà, donc ça se fait pas comme ça, en deux jours ni en deux semaines. Donc je suis en train de finaliser le programme du Parage et je suis content parce que ça me plombait beaucoup. Je suis un peu plus en avance que les autres années, je serai prêt plus tôt que les années précédentes. Donc nous sommes mi-mars et c'est pour la mi-juillet, donc c'est bien. 4 mois d'avance, c'est chouette, je suis content parce que du coup voilà, il y aura une centaine de places assises, donc... Il n'y aura pas de réservation à l'avance cette année, hein, puisqu'a priori on ne sera pas trop limité. Il y aura une bonne centaine de places assises, donc je pense pas qu'il y aura du monde qui restera à la porte comme ça a été le cas pour ma conférence de l'année dernière. Mais voilà, ce sera une grosse édition parce que ça va durer 4 jours. Et je suis content de voir la fin de l'organisation, de la préparation, de la programmation. Je suis en train de boucler les groupes de musique, c'est pour ça que je pourrais vous diffuser deux extraits dans la soirée de deux morceaux des groupes qui seront là, qui joueront à Bugarache le 17 et le 18. Il y en a un autre qui est calé le 15, le 16, je sais pas si j'en ferai un parce que niveau budget, je vais tout défoncer. Je prends d'énormes risques aussi avec les concerts. Parce que les mecs seront payés quoi qu'il arrive, hein, et derrière il va falloir qu'il y ait du public, il va falloir qu'il y ait de l'affluence, sinon je serai dedans. Au niveau des conférences, je m'inquiète pas trop, il y aura du monde, et puis c'est 10 balles l'entrée, donc ça va, tu vois, c'est pas cher. Mais les concerts, voilà, c'est toujours l'inconnu, donc je vous montrerai de quoi il s'agira. Et donc c'est en train de toucher à sa fin, donc c'est pour ça que je suis assez content, j'ai passé une bonne partie de la journée à préparer la page d'annonce, hein, sur le site du Laurier, des éditions de dulaurier.com. Je suis en train de terminer la page qui annonce le Parage, donc je vais vous partager la page en construction parce que c'est pas terminé. Il me manque quelques visuels à mettre, il faut que j'ajoute les concerts aussi. Je vous dis, il me reste une date plus ou moins pour voir. Il y a aussi une animation technique le premier jour que j'ai pas encore pris le temps d'annoncer, mais je vais vous l'annoncer tout à l'heure. Mais enfin bon, voilà. Tout ça pour dire que c'est pas prématuré pour autant, le programme est calé, au niveau des confs, c'est complet, c'est précis, je vais pouvoir vous faire toute la présentation en bonne et due forme, avec le sujet, les intervenants, voilà, moi ça c'est le principal, que je puisse vous montrer au moins les conférences, les différentes conférences pendant les 4 jours, et les animations. Voilà, et je vous toucherai aussi du coup un mot de la popote, parce qu'il y aura de la bonne bouffe pendant 4 jours, on a bien mangé, je vous le dis, et les concerts. Voilà pour le contenu de ce soir, donc il y aura peu ou pas d'actu extérieur, hein. Ça je commence à en avoir plein de cul de ces conneries, j'estime en avoir déjà suffisamment parlé en long, en large, en travers, de manière à donner les axes et les principes de départ et de résolution de ces éléments d'actualité. Voilà, je pense que ça commence vraiment à me gaver, j'ai plus envie d'en parler de ces conneries. Il y a autre chose de plus important à faire, peut-être que je vous partagerai un peu de fond du coup au niveau des dernières trouvailles que je suis en train de faire, enfin retrouvailles
bon, bref, mais ça, on verra, ça je verrai en cours de route, après vous avoir présenté, du coup, le programme du Parage 2024, 15-18 juillet à Bigarache. Donc, je vous laisse avec un petit générique péruvien, andin, l'altiplano des Andes. Et je vous reprends dans 3 minutes pour la présentation donc de l'édition 2024 du Parage de Bigarache. Voilà, en guise de petite mise en bouche musicale, je vous mettrai par la suite deux extraits de La Menuise et du Bal des Bois, qui seront les deux des bah les, qui seront la tête d'affiche des deux derniers soirs, qui seront à l'affiche du Parage le mercredi 17 et le jeudi 18. C'est du trad local, dansant, festif, qui envoie du bois, quoi. Voilà, ça ce sera pour les prochains interludes musicaux. En attendant, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter le programme du Parage 2024. C'est parti! Donc ceci est une page de construction, hein, qui est sur mon site, qui n'est pas encore définitive. D'ailleurs, c'est encore la fiche de 2023 que j'ai là.
ce que j'ai pas encore fait faire de nouvelle affiche, tellement j'étais en avance et que j'avais la gueule dans le guidon. Focalisé sur le programme et le contenu en tant que tel, hein, les intervenants, les moments, les dates, parce que une boutique pareille, si tu veux, enfin bon, quand c'est sur deux jours, ça va. Et l'an passé, c'était sur deux jours, c'est tranquille, tu vois. Il peut y avoir deux, trois, quatre intervenants max, c'est pas difficile à mettre en place. Sur quatre jours, avec jusqu'à trois intervenants différents par jour, ça devient tendax. C'est pour ça que je te disais au début que c'était complexe. Complexe plutôt que compliqué, parce que, évidemment, je ne mets pas n'importe qui à n'importe quel moment, en fonction de celui qui le précède, en fonction de celui qui le suivra, en fonction de la thématique du jour. En fonction même parfois de la lune, quand j'étais calé sur des. Ou de la date, si tu veux, anniversaire, et de la fête du jour. Puisque quand j'étais calé un 22 juillet, il était évident que j'essayais de focus ou de référer à Marie-Madeleine et à ses attributs et à tout ce qui va avec. Par exemple, quand c'était le 14 juillet, il était question du rôle de la France et de la mission de la France. Ça a été le cas au moins deux ou trois fois. Quand il y a une pleine lune ou une lune noire, évidemment, j'essaie d'en tenir compte aussi dans la programmation. Bon, là, les lunes, on sera en lune montante, mais on sera plusieurs jours de la pleine lune suivante. 14 juillet, on commence juste après. Mais vous allez voir que c'est pas pour rien, c'est pas anodin non plus ce qui va se passer le lundi 15. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, bon, tenez pas compte de la présentation, parce que ça, je vous dis, c'est une page en construction et il manque encore des visuels, il manque quelques infos, il manque les liens, qui permettront de naviguer à l'intérieur de la page. Voilà, ça, ça n'a pas encore été mis à jour. Bref. Mais le contenu est là, c'est l'essentiel. Alors, ah oui, putain, j'ai même pas le lien vers les ailleurs de. Alors, attends. Je vais quand même vous montrer. Voilà, ça, je peux le boucler. Ouais. Parce qu'il va y avoir quand même une grosse avant-première. Voilà. On va quand même avoir une grosse avant-première mondiale. Faut absolument que je contacte le réalisateur, tac. Oh putain. Excuse-moi deux secondes. Tac. Putain, mais il était pourri. C'est quoi ces conneries? Je tombe sur un site qui te vend des iPhones, un programme de fidélité. Qu'est-ce que c'est que ces fils de putasserie, hein? Alors attendez, faut que je retrouve le lien parce que. Il s'est quand même pas fait verrouiller d'ici là, quand même, le gars. Tac. Ouais, si je change de navigateur, ouais, je pense pas que ça change grand chose, on va voir. Si j'ouvre le site de l'auteur, ouais, ça devrait le faire. Ok, on va faire comme ça. C'est quand même marrant que ça déconne sur Chrome et que ça marche sur ce Safari de merde, mais peu importe. Bref, excusez-moi, je vous reprends avec le programme. J'aurais dû ouvrir cette page avant, mais bon, c'est pas grave. Donc lundi 15, hein, voilà, vous le savez, on commence le lundi 15. Alors pourquoi c'est intéressant par rapport au 14 juillet, qui est le jour d'avant, et pourquoi c'est intéressant par rapport à la thématique du jour, qui sera, putain d'éminemment, solaire et galactique. Alors vous allez voir que ça tombe pas pour rien non plus, parce qu'il y a tout un contexte par rapport à ça. Je vous montrerai peut-être une image tout à l'heure, qui sera d'ailleurs sans doute la seule actu que nous traiterons de la soirée, mais c'est une actu intéressante et par rapport à laquelle je pourrais à nouveau, évidemment, sinon ça sert à rien d'en parler, je pourrais faire une mise en perspective à peu près intéressante, si tu veux. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'en parler, si c'est pour répéter les mêmes conneries que les autres, et enfiler des perles sans être foutu de prendre position, voilà, de manière un tant soit peu assumée. Ça pour dire que le lundi 15, et puis garage, c'est le grand retour de l'ufologie, pour être plus précis, l'exopolitique et l'astrophysique, puisque l'exopo et l'ufo seront abordés
est traité, pas seulement abordé, mais véritablement traité, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue astrophysique, par quelqu'un de compétent et de qualifié pour le faire. C'est-à-dire qu'à 10h du matin, ça va commencer le matin à 10h les gars, attention, hein, picolez pas trop la veille le dimanche 14, hein, s'il vous plaît. Je pense qu'on commencera à 10h ce matin-là, le lundi 15, sous la halle, hein, avec la diffusion, donc en avant-première, du pilote du documentaire Les Ailleurs, qui est le premier film au monde consacré aux prises de contact extraterrestres et aux abductions. Les Ailleurs, donc de Sébastien Dwinge-Dame, qui est prévu pour sortir courant 2024, hein, c'est un film qui sera en plusieurs parties, donne la parole pour la première fois au monde à des gens qui ont été contactés par des êtres venus d'ailleurs, donc des forces, des intelligences extraterrestres, non humaines, supraterrestres, et à des gens qui ont été non seulement contactés, mais abductés, c'est-à-dire carrément enlevés et emmenés dans un endroit inconnu par des forces et des intelligences non humaines, non terrestres. Donc ce sera le grand retour de la thématique exopolitique et ufologique à Bugarache. À un moment où la pression des forces du ciel, si j'ose m'exprimer ainsi, s'accentue de manière exponentielle de sorte que personne ne puisse plus y rester indifférent, et afin, selon toute vraisemblance, de nous préparer à une prise de contact, qui s'annonce de plus en plus proche. Alors pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça pour ça. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce petit visuel d'un canard grand public de merde. Je vais vous le montrer. Là, c'est pour vous situer un peu la pertinence et la cohérence de mathématiques exopo, astrophysique, ovni, cette année à Bugarache. Parce qu'il y a eu une grosse actu à ce niveau-là, en fait. Enfin, une grosse actu. Il y a une vraie actu, en tout cas. Il y a une vraie actu avec ça. Est-ce que vous avez vu passer ça? Alors ça, c'est ce bon Didier Raoux et son orchestre. Je ne sais pas si vous connaissez Didier Raoux, qui organise à Limoges dans quelques jours. Hein, ce sera samedi, dimanche, là. 16, 17, 18. 16-17, je ne sais plus si ça dure 2 ou 3 jours, qui organise à Limoges, donc là dans quelques jours, un gros symposium où ils vont être 2000 là-dedans, plus de 2000 au zénith de Limoges, pour un symposium qui s'appelle Exovision. Donc Exovision, hein, exo extraterrestre, et puis vision, vision quoi, hein, c'est de l'exopole. Enfin, on n'est pas encore dans l'exopolitique, mais enfin c'est un travail qui, à mon sens, annonce et prépare l'avènement d'une exopolitique digne de ce nom, si tu veux. Enfin, l'exopolitique, c'est quand même un terme que je prends un malin plaisir et que je me fais un point d'honneur, hein, d'utiliser, puisque la seule à ma connaissance qui ont parlé d'exopolitique et qui avait les couilles et les moyens de le faire, ça a été Nexus. Mais Nexus, première période, Nexus à l'époque de David Dennery, à l'époque où la rédaction en chef était posée dans une vieille ferme magnifique du Périgord, au fin fond du Périgord vert, entre les Aisies, la vallée de la Vézère et ça déchire, à côté de Dakpo aussi d'ailleurs, le plus grand centre du bouddhisme européen. Un des plus grands centres du bouddhisme européen. Et t'avais la rédaction de Nexus qui était posée là, donc ça avait un sens de dingue, si tu veux. Et c'est l'époque où Nexus cartonnait avec des vrais sujets, de vraies infos, de vraies actus, que ce soit le conspi, les complots, l'archéologie interdite, l'histoire interdite, les scandales et les putasseries et les horreurs financières, bancaires, agroalimentaires, pharmaceutiques, médicales, les vaccins, c'est eux qui ont attaqué à fond sur les vaccins, les agroglyphes, hein, les crop circles, Nexus a longtemps été à fond sur les agroglyphes, avant de se tirer une balle dans le pied en donnant la parole à un connard qui leur a menti en disant que c'était tous des inventions faites par des connards avec des bâtons et des ficelles. C'était une des pires erreurs littérales de Nexus, bon, peu importe. Mais, et donc l'exopo et l'ufologie a été toujours un des chevaux de bataille de Nexus, grande époque, qui leur a valu, je pense, la majeure partie de leur public et le plus fidèle, parce que le sujet était putain de bien traité, avec des anciens du ministère de la Défense français, du ministère de l'Intérieur, des anciens des cabinets, des anciens, ou même encore en active, hein, des officiers supérieurs de l'armée de l'air,
qui prenaient la parole, qui témoignaient, sous pseudo ou pas, ainsi que bon, les connards du GEPAN, la gendarmerie, qui est la vitrine pour rire du CNES, hein, du Centre National des Études Spatiales de Toulouse, qui était sa petite vitrine pour rire, pour faire croire qu'il s'occupait du sujet, alors que c'est une diversion pure et simple qui ne sert à rien. Mais enfin, pour faire bonne figure, Nexus donnait la parole à cette officine de merde de temps en temps. Enfin voilà, mais il y avait aussi des correspondants à l'étranger, américains, ils avaient couvert à fond le Disclosure à Washington, ou toute une série pareille d'anciens officiers supérieurs, des militaires, des pilotes, militaires et civils, avaient témoigné de tout ce qu'ils avaient vu pendant des dizaines d'années, et ça avait fait un... Voilà, il y avait quelque chose de sérieux à ce niveau-là aux États-Unis. En 2000, je sais plus quand, je saurais même pas vous donner la date. Je crois que c'était un peu avant l'arrivée de Trump, je crois. Mais bref, donc Nexus, voilà, traitait non pas d'ufologie, mais d'exopolitique. Donc, moi, j'ai intitulé cette journée thématique à Bugarache Exopolitique et astrophysique, puisque avant d'entrer pour le coup en exopolitique, alors exo c'est quoi? C'est extraterrestre. Politique, c'est quoi? Je l'ai déjà dit, c'est le domaine de la prise de décision. La politique, la science politique, le politique, par essence, c'est l'art et la manière de décider. D'où découle aussitôt la souveraineté. Hein. Si t'es capable de décider, même si c'est encore virtuel, que tu peux pas appliquer la décision dans le concret, dans le réel, ça n'en a pas moins été verbalisé, formulé, c'est inscrit dans les couches subtiles, psychiques, astrales de l'existence. Ce n'est encore que virtuel, donc, avant de pouvoir devenir réel. Mais tant que ce n'est pas virtuel, ça ne risque pas de devenir réel, hein, t'es d'accord? Donc il faut commencer par le dire. Et de décider, en son âme et conscience, de ce que je veux, ce que je ne veux pas. La politique commence et s'arrête là. Et tant que nous ne serons pas 144 000 élus éveillés en France, je déconne, tant que nous ne serons pas suffisamment nombreux, nombreuses en France à dire « ça je veux plus », mais à le dire haut et fort, alors pas forcément en public, hein, t'es pas obligé de te foutre devant ta webcam en disant hey, « je veux pas que », non, on s'en branle. Mais tu te le décides à toi par contre, tu te le décides pour toi, et tu te le formules, et tu l'écris si tu veux, la machin, mais au moins que ce soit posé. Ça c'est important, le côté un peu solennel, un peu rituel en fait, hein, parce qu'on est dans de la magie opérative, on est dans des champs de force, on est dans la mise en œuvre d'un champ de force électromagnétique, mais qui est intellectuel, qui est psychique, qui est moral, qui est mental, qui est sentimental, qui réside dans ta prise de décision, que ça oui, que ça non. Et la prise de conscience de cette décision en toi, pour toi, même si elle n'est que mentale, qu'elle n'est pas formulée à haute et intelligible voix, c'est essentiel, c'est le premier pas à faire pour nous en sortir, pour franchir cet apocalypse dans de bonnes conditions, et surtout pour reprendre la main sur notre pays. J'ai regardé l'autre soir un truc récent, une prise de parole récente de Frédéric Lordon, qui est un petit philosophe gauchiste, hein, un gauchiste, je suis pas gentil, c'est de la gauche, on va dire, dans ce qu'elle peut avoir de meilleur, de plus intelligent, de plus courageux, de plus cohérent, dans le sens que Lordon, il te dit, bon, c'est la révolution ou rien. Alors pendant 12 minutes, il dit que là, il faut faire la révolution, pas une seule fois, il cite les gilets jaunes. Donc là, il y a un gros problème, c'est là que je me dis qu'il est gauchiste, parce qu'il a eu peur que les gilets jaunes, ce soit un peu trop terroir, un peu trop enraciné, un peu trop populaire dans le sens traditionnel, et un peu trop de droite en fait. Ce en quoi il se trompe, mais c'est en quoi ça montre que c'est une petite fiotte gauchiste qui a peur du peuple, dès que le peuple manifeste sa dignité dans un sens conservateur, dans le sens du conservatisme moral, qui est de droite, hein, ça c'est certain, que la gauche ne s'est jamais distinguée là-dessus, à part deux ou trois pionniers d'avant-garde et d'élite, comme Élisée Reclus, qui alliait le progressisme le plus radical, le plus utopique, à une rigueur morale, intellectuelle, impressionnante, mais même abusive, hein, dans une espèce de rigueur et d'austérité à la protestante, grande époque, où tu ne touches ta femme que en te fermant les yeux, en mettant des gants, et puis pour faire des gosses, parce que Dieu le veut, mais sinon le corps c'est mal, hein, dans cette grande caricature de la rigueur religieuse occidentale, qui fait que tu as un problème avec tout ce qui est matériel, et corporel, et physique et charnel,
Et il y a cette tendance-là, évidemment, alors à droite, hein, mais aussi à gauche. Avec Élisée Reclus, voilà, certains grands anarchistes, Louise Michel, bon. Bon, je m'égare un peu, je digresse, mais tout ça pour vous dire que l'exopolitique, c'est un sujet révolutionnaire, et qu'on ne peut parler de révolution comme commence à le faire ce petit con de Frédéric Lordon. Hein, pardon Fred, hein, je dis petit con, mais parce que parler 12 minutes de la révolution et de sa nécessité actuelle, sans parler une seule fois des gilets jaunes, c'est se foutre de la gueule du monde et c'est montrer que tu n'es qu'un révolutionnaire en plastique. C'est d'autant plus un révolutionnaire en plastique, le petit Lordon, que... alors, il cite comme moyen d'action, hein, il fait pas que se branler pendant 12 minutes en faisant des grandes phrases et des belles phrases bien torchées, parce que c'est, ça, il sait écrire, hein, il se prétend philosophe, alors il sait écrire, ça se voit, il se régale avec ses effets de manche à balle 2. Cependant, bon, il a quand même le mérite, insigne, de proposer une voie, une méthode d'action, qui n'est pas nouveau, hein, qui est la grève générale et l'occupation générale des lieux de production. Et c'est pas nouveau parce que ça remonte à Georges Sorel, au début du XXe siècle. Georges Sorel, dans les réflexions sur la violence, où il distingue la force de la violence, où il distingue la légalité de la légitimité, enfin carrément un texte clé de la pensée révolutionnaire française et européenne du XXe siècle, et qui semblerait être encore un peu d'actu, puisque Frédéric Lordon se réfère à la grève générale sans se référer à Georges Sorel, puisque Georges Sorel, c'est un peu trop droitard, c'est même limite carrément fasciste, puisque Georges Sorel fait partie des références de Mussolini et aussi de Lénine. Alors Lénine, droite ou gauche? Attention, hein, parce que le recours à la violence, ça aussi, je crois pas vraiment que ce soit polarisé, droite ou gauche, si tu veux. Le pacifisme a toujours été plutôt de gauche, mais il y a aussi une certaine lucidité, un certain courage à gauche dans le rapport à la violence qui consiste à considérer que bon, bah, quand il faut, hein, et que si le mec en face il est pas d'accord, bah, tu le forces. Ça, c'est le propos de Sorel, Georges Sorel, qui a été un des inspirateurs, une des références de Benito Mussolini en Italie et de Vladimir Lénine en Russie. Donc, sauf que ce petit con de Lordon, il déblatère pendant 12 minutes sur la révolution sans citer les gilets jaunes, alors que les gilets jaunes, ils ont failli réussir la révolution en prenant l'Elysée en novembre 2018. Hein, que notre petite pute s'est barrée en hélico, donc je suis désolé. Apparemment, c'est pas assez de gauche pour Frédéric Lordon pour qu'il mentionne cet épisode quasi révolutionnaire. Mais ça, c'est les gilets jaunes qui l'ont fait, c'est pas des petits cons de gauche. Hein. Au contraire, hein, la racaille gauchiste, elle a fait capoter le mouvement des gilets jaunes. Avec les petites putes à la Haut-de-Lancelin, la racaille gauche caviar, De Blast, Denis Robert, tous ces petites putes, bobos de merde, de sociaux traîtres, d'enculés de racailles, dans saloperies de pourriture. La jeunesse emmerde le Front National. Non, la jeunesse emmerde les bourgeois dans ton genre et les parasites et les bons à rien. Dans le sens où le Front National, je vais pas en dire du bien, j'en ai rien à foutre, mais à une époque, il a incarné un authentique espoir national et social. Ce que la gauche ne fait plus depuis très longtemps. Mais bon, ça c'est une parenthèse que Alain Soral a exploité en son temps, pendant longtemps, et en pure perte, parce qu'il s'est imaginé que le Front National avait vraiment l'intention et les moyens d'accéder au pouvoir, et qu'il était vraiment devenu socialiste pour de vrai. Parce que dans les deux cas, c'est faux. Hein, jamais Le Pen père ou Le Pen fille ont eu l'intention d'arriver au pouvoir. Ils savent très bien que c'est impossible, que c'est verrouillé, que c'est verrouillé. Et de deux, ils ont fait du socialisme pour faire semblant, pour occuper un créneau électoral et puis pour faire rêver Soral. En s'imaginant qu'il allait devenir Premier ministre de Marine Le Pen et puis Président de la République dans la foulée, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a cru, c'est dingue. Hein, dans les années 2010, 11, 12, il y a cru, quoi. À l'époque où il écrivait le discours de Valmy, tu sais, de Jean-Marie Le Pen, 2007. Ouais. Donc il y a cru, mais c'est stupide, enfin c'est stupide, il faut vraiment être naïf, quoi. Mais enfin, voilà, ça pour dire que si révolution il doit y avoir, elle viendra du peuple, et non pas des racailles bourgeoises, gauche caviar, comme Lordon, Haut-de-Lancelin, toutes les putes de Blast, et cette racaille de bon à rien, voilà, qui ne sont vraiment que des parasites, et des idiots utiles. Des idiots utiles du capitalisme, des idiots utiles du totalitarisme libéral, bancaire, qui est en train de nous faire crever à grands coups de wokisme et de dégénérescence, pédéraste, pourriture, transgenre, pédoporno et toutes ces merdes. Hein, la gauche caviar est l'allié objectif de cette saloperie satanique
qui est la pire horreur que la Terre ait jamais portée. La pire horreur. Donc, ça pourrait en revenir à quoi ? À l'exopolitique, et il y a ce petit Lordon qui parle de révolution sans parler des Gilets jaunes, qui parle de la grève générale sans parler de Georges Sorel, qui est quand même le théoricien de la grève générale. Et ce petit Lordon finit en disant « Bon ben voilà, grève générale, et youpi, on sera sauvé. » Sauf que il est vraiment con comme un ballon. Moi, je pense que je pourrais consacrer une émission entière au sujet, il faudra que je le fasse. Ça intéressera peut-être du monde. Mais il a pas l'air d'être con. Il cite pas les Gilets jaunes, ce petit con. Je vais en revenir au parage, hein, parce que je suis désolé, mais bon, le parage est aussi un mouvement, enfin un mouvement, un événement, hein, dans mon esprit, un événement politique, social. Je n'ose pas dire « citoyen ». Tellement ce mot a été galvaudé par la racaille gauchiste, gauche caviar de merde. Mais, et la raison d'être de mon association des éditions du Laurier, a clairement cet objectif social, politique, souverain. Moi je passe par la culture, l'histoire, la spiritualité, la gnose. Mais ça n'empêche et ça n'interdit surtout pas le volet politique pur que j'ai embrayé là il y a 10 minutes en te parlant de, bah, du critère de la décision. Qui est le critère du politique par excellence, par essence. T'es capable de décider, t'es en politique. T'es pas capable de décider, tu préfères que les autres décident à ta place. T'as rien à foutre en politique, c'est pas pour toi. T'es pas un citoyen, t'es rien. T'es un esclave, t'es un larbin, t'es une merde. De gauche, entre guillemets, entre parenthèses. Comme le petit Lordon qui, voilà, bon, je t'ai expliqué pourquoi. Donc au parage, moi je fais de la politique pour de vrai, et de nos jours, alors ça je vous l'ai dit dans une de mes premières vidéos, bah, qui était d'ailleurs au début des Gilets jaunes à l'époque, où j'avais pris la parole pour dire, ok, la politique c'est quoi les gars, c'est la prise de décision, sauf que de nos jours, la prise de décision ultime c'est quoi ? Et attention, hein, c'est stratégique ça. Ça fait partie des raisons pour lesquelles t'as des connards qui partent en panique parce qu'ils voient passer un symposium à Limoges sur l'exopo, l'exovision. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des connards qui paniquent quand ils voient ça? Parce que ils ont pas capté que la prise de décision ultime sur Terre, c'est celle d'appuyer sur le bouton nucléaire. T'es d'accord avec moi? Hein, le transfert de la valise avec les codes, c'est le chef d'état-major qui gère ça avec le président quand il vient d'être élu. Ça se passe en grand, ça se passe en secret, machin. C'est voilà le critère pour la prise de décision politique ultime sur Terre, c'est déclencher le feu nucléaire. Or, quand on a des couilles, ou quand on a lu Lexus à la grande époque, ou qu'on est un tout petit peu cultivé, qu'on est capable de faire des recherches, on est aussi au courant. Donc pas comme les connards qui se chient dessus parce qu'il y a une bande de New Age qui vont faire un symposium sur les ovnis, tu vois. Et encore, je dis New Age, les organisateurs, c'est pas New Age. Dans le public, il y aura vraiment, je pense, beaucoup de racailles New Age, hélas. Mais au niveau des organisateurs et des intervenants, non, c'est plutôt sérieux. Plutôt, il y a quelques intervenants de merde, hein, comme, enfin bon, bref, je vais pas entrer dans le détail, mais bon, bref, t'es au courant, quand t'es un peu sérieux, que cette prise de décision ultime de déclencher le feu nucléaire sur Terre n'appartient plus à aucun humain sur Terre, mais n'a même jamais appartenu à aucun humain sur Terre. Car depuis qu'un chef d'État quelconque est en capacité de déclencher le feu nucléaire sur Terre, c'est-à-dire depuis 1944-1945, il y a des forces suprahumaines et supraterrestres qui ont averti, qui ont prévenu, et qui depuis ont fait en sorte que jamais aucun humain ne déclenche le feu nucléaire sur Terre. Et ça n'arrivera jamais. Cela a été signifié clairement au président américain, au premier secrétaire du Parti communiste soviétique. Ça a été signifié à toutes les forces qui étaient en mesure de déclencher le feu nucléaire sur Terre. Il leur a été signifié que cela n'arriverait jamais. Tu as donc maintenant compris pourquoi, quelque part, la politique est morte et enterrée, puisque la décision ultime, c'est-à-dire de déclencher l'holocauste nucléaire sur Terre, n'appartient plus à aucun être humain sur Terre. C'est une décision qui relève de l'exo-stratégie et d'une politique extra-planétaire. C'est donc de l'exo-politique. Alors, ce que je te dis là, les connards et les abrutis qui ont fait ce petit photomontage stupide et ridicule, ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant de ça. Je crois que c'est Le Point, c'est le logo du canard du magazine Le Point qui est dans le coin de l'image, là. On a affaire à des journalistes, hein, enfin, soi-disant journalistes, soi-disant professionnels, ce ne sont que des petites putes salariées payées pour mentir et tricher, et insulter la vérité. Donc, ils sont pas au courant.
D'accord. Toi, t'es au courant, t'es un peu moins con que la moyenne dans ce pays de merde. Pardon, mais t'es au courant que voilà, l'exopolitique, ça existe en fait, depuis que l'arme nucléaire est en service sur Terre. Ça explique pourquoi on a des gens qui se chient dessus, du coup, à l'annonce de ce symposium dans 3 jours, où ils vont être 2000 au zénith de Limoges. Attendre fiévreusement que tonton Ashtar Sharan et youpi et papa Archange Michael ou je sais pas qui tu veux là leur fasse un signe en disant je suis la fille, t'inquiète, ça va le faire, on est là, on va leur botter le cul à tes nazis de mafieux de merde satanistes qui pourrissent ton pays, on va leur cramer la gueule. Mais avant de le faire, mec, avant que je le fasse, il va falloir que toi tu décides que t'en veux plus de cette merde. Il va falloir que toi tu décides de ce que tu veux à la place. Il va falloir que toi tu prennes tes couilles en main et que tu les poses sur la table en disant ce que tu veux plus, ce que tu veux plus. Que tu décides pour ta putain de gueule et ton putain de pays ce que tu veux, ce que tu veux pas. Et tant que cette prise de décision voilà, n'est pas assez forte et assez répandue parmi nous, eh bien les forces du ciel, à mon avis, ne pourront pas intervenir et interagir avec nous comme elles sembleraient vouloir le faire. Hein. Je me permettrai jamais de m'exprimer à leur place comme le font tant et tant de petites putes et de petits branleurs New Age. Mes guides m'ont dit de vous dire. Ta gueule, dégage. Mais en toute logique, il semblerait qu'ils en ont envie, si tu veux. Ils en ont envie de se manifester, prendre contact et puis nous aider à donner un peu une meilleure allure à la civilisation humaine terrestre, hein, au lieu de la laisser continuer à s'enfoncer dans le chaos, l'horreur, le mensonge, la dégénérescence, la pourriture satanique, bon bref. Hein. Voilà, je pense qu'ils en ont marre autant que nous, et que pour pouvoir nous aider à y mettre un terme, eh bien, ils ont besoin que nous le manifestions, foutre couille du nom de Dieu. Ce sera donc l'objet de ce premier jour du Parage 2024, de manifester notre volonté, mais aussi notre capacité à gérer l'interaction, à gérer une prise de contact. À y faire face et à nous tenir droit dans nos bottes et non pas nous chier dessus à la moindre manifestation. Bon bref, voilà, donc je reprends le fil. Et alors pour ça, du coup, grâce à un certain Jean-Louis Lefebvre, astronome de son état, un ancien physicien du CNRS, eh bien nous allons avoir la diffusion en avant-première du pilote du documentaire Les Ailleurs, donc le premier film au monde qui sera consacré à la prise de contact extraterrestre et aux enlèvements, aux abductions, c'est-à-dire qu'il donnera la parole à des gens qui ont été contactés, mais qui ont aussi été abductés, c'est-à-dire enlevés et emmenés dans un endroit inconnu et hors d'accès par des forces et des intelligences non humaines. Je vais vous montrer de quoi il s'agit à propos de ce film. Où est-ce que je l'ai foutu, Les Ailleurs? Tac, tac, ça c'est le site de Benoît, je vais vous le montrer aussi. Ah oui, je l'ai ici. Bon allez, alors je vais vous montrer ça vite teuf. De quoi il s'agit à propos de ce documentaire. Voilà, qui sera une première mondiale. Ah merde. Je peux pas partager. L'autre navigateur. Alors, laissez-moi 2 secondes, s'il vous plaît, le temps de copier-coller quelque chose. Évidemment, comme j'ai 15 000 onglets ouverts. Ça, c'est quoi ça? Tac, tac. Alors, le voilà, le site du réalisateur. Je vais vous montrer ça. Pas.
les êtres venus d'ailleurs. Oui. Non, mais tu viens d'où, toi? Oh, moi, je viens d'une autre planète. Voilà, donc les ailleurs de Sébastien Duijndam, ils ont été contactés par des extraterrestres. Film documentaire qui donne la parole aux personnes contactées par des êtres venus d'ailleurs, réalisé par Sébastien Duijndam, photographe et réalisateur. Ce film vous plonge au cœur d'une expérience humaine unique, sans jugement ni préjugé. Voilà, vous l'avez vu, la photographie est terrible. La bande-son a l'air pas dégueulasse non plus. Là, vous avez un mot du réalisateur. Quand les extraterrestres arrivent, tu me réveilles. Hein. Ma mère me raconte souvent que petit, je lui posais cette question avant d'aller dormir. J'étais obsédé par la vie ailleurs, par d'autres êtres qui peupleraient l'espace. Ce questionnement a évolué, mais ne m'a jamais quitté depuis. Voilà. Donc, nous commencerons le parade 2024 par ce film pilote. Donc vous avez vu un tout petit extrait là. Voilà, le lundi 15 juillet à 10h du mat. Alors, vous bourrez pas trop la gueule le 14 juillet au soir, hein, s'il vous plaît. Il faudra être en forme. Hein. Voilà, sachant que du coup, le pilote sera présenté. Présenté, introduit par donc Jean-Louis Lefebvre, cet astronome du CNRS, qui connaît le réalisateur des ailleurs, grâce à qui voilà, il pourra être présent à Bucarache. Enfin, le réalisateur ne sera pas là, mais c'est grâce à Jean-Louis que le film, le pilote, pourra être diffusé à Paradj. Et Jean-Louis, donc, il connaît le réal et qui connaît bien le sujet, puisque c'est lui-même un abducté. Il a l'intérêt, Jean-Louis, enfin, d'avoir un profil vraiment pertinent, si tu veux, parce que astronome, astrophysicien, ancien du CNRS et abducté. Je vais vous présenter un peu qui c'est après. Donc c'est lui qui présentera le pilote et qui répondra ensuite aux questions, à vos questions, aux questions du public. D'accord ? 45 minutes de film pilote, plus voilà, 15-30 minutes de présentation, de questions-réponses, de discussion. Ça nous fera la matinée, d'accord ? Donc je vais vous présenter vite fait qui est Jean-Louis également, qui sera ensuite à la suite du programme lui, hein, ce jour-là lundi. Il a 63 ans, astronome, mais également ethnobotaniste, parce qu'il est aussi spécialisé en plantes bio-indicatrices, médicinales et en jardins médiévaux. Et il est aussi socio-phytologue. Donc à ce triple titre, il opère en médiation des sciences de l'environnement et de l'univers depuis plus de 40 ans. J'ai été, me dit-il, l'initiateur et le créateur de la première école professionnelle d'astronomie de France en Haute-Provence dans les années 90 et le responsable du centre médiation scientifique du Radio-Observatoire de Nancy dans les années 2000. J'ai également participé à quelques programmes de recherche en astrophysique dans les années 1980 dans le cadre des RCP, recherche coopérative sur programme du CNRS. En particulier dans le suivi dynamique des vents de plasma solaire par traçage de la queue ionisée de la comète de Halley. Puis un peu plus tard, sur la détection et la mise en évidence des effets de lentilles gravitationnelles sur un quasar triple, test de relativité générale pour le compte de l'IAP, l'Institut d'astrophysique de Paris. Ce dernier programme de recherche ayant été mené au télescope d'un mètre de l'observatoire du Pic du Midi.
Depuis, ayant pris un poste de gestionnaire en environnement et gérant d'entreprise, je fais de la médiation scientifique en astronomie tous les ans en été depuis une vingtaine d'années dans les villages vacances pour le grand public en tant qu'intervenant extérieur et je poursuis ma démarche de formateur en astrophysique auprès des élèves des écoles. Il figure également, voilà, en tant que témoin, en tant qu'expérienceur abducté, comme 5 autres témoins, dans le film documentaire « Les Ailleurs » de Sébastien Douinsdam. Voilà, film qui doit sortir cette année, qui aura 6 épisodes de 40 minutes chacun. Quant à Jean-Louis, il est en train d'écrire 2 séries d'ouvrages, « L'empreinte des mondes » sur les abductions, « Dialogue avec la conscience », ouvrage qui traite de la dimension expérientielle du phénomène d'abduction, tel que je l'ai vécu et que je le vis encore près de 60 ans après, au niveau des traumatismes post-événements, et bien sûr des enseignements qui en découlent autant que des messages qui en émergent. Deuxième ouvrage, L'empreinte des mondes 2, exogène, la science est convoquée. Donc voilà, effectivement, ça va être sur le terrain de l'astrophysique et de la physique qu'il va falloir s'investir un peu pour savoir à qui nous avons affaire en fait, et élever un peu le niveau, tiens. Petit traité de science appliquée à l'usage des ufologues, en 2 tomes, dont un cahier technique en supplément. Je ne me considère pas moi-même, j'aime bien cette précision, hein, j'y souscris totalement, je ne me considère pas moi-même comme ufologue, au sens où ce terme est dévoyé à notre époque. Les soi-disant ufologues étant pour moi simplement des ufonomes, mais sûrement pas des ufologues, le logos étant ici une imposture de logos, les ufologues n'ont que le nom. Voilà, il est déjà passé chez Bob Belanca, BTLV, et ainsi que dans un canard comme Télérama, dans un entretien. Bref, je vous mettrai tout ça en lien sur le programme du Parage sur mon site. Donc voilà qui sera l'intervenant de ce lundi 15 pour la thématique astrophysique et exopolitique. Donc Jean-Louis à 14h interviendra lui-même. Alors dans ce qui ne sera pas une conférence, mais un atelier. Une animation, un atelier pratique sur les mystères du soleil. Et je trouve ça génial. Pourquoi ? Parce que le 15 juillet, c'est le lendemain du 14 juillet. Et le 14 juillet, est-ce que tu sais pourquoi ça a été choisi pour être la fête nationale française en fait ? Parce que c'est le jour où, dans l'Égypte antique, apparaissait Sirius au niveau du lever, au niveau de l'horizon, et que c'était le début de la période chaude de l'année, qui est appelée depuis canicule, en référence au nom de Sirius, comme Canis Majoris, puisque Sirius est l'étoile la plus brillante de la constellation du chien Canis, et que de Canis a dérivé le mot canicule, puisque l'apparition de Sirius dans le ciel le 14 juillet dans le calendrier égyptien inaugurait la saison des chaleurs et de la canicule. Nous serons donc fort bien lotis, ma foi, ce 15 juillet pour aborder les mystères du soleil et partir avec Jean-Louis Lefebvre à la découverte. Les mystères du soleil, une animation sur le soleil pour enfants et pour adultes, d'une heure et demie environ, sur la pelouse, donc nous serons dehors, hein, sur la pelouse devant le château, atelier sécurisé et sans danger. Il s'agit, nous explique Jean-Louis, d'un parcours magique de découverte du soleil avec quelques petites expériences sur la lumière. Je vous dis pas comme ça risque d'être, non pas seulement initiatique, mais en tout cas putain d'alchimique, si vous le faites bien en conscience. Une maquette 3D de notre étoile nous servira à expliquer la structure interne et externe du Soleil. Nous reproduirons la dynamique du transport de l'énergie à l'intérieur de l'étoile jusqu'à sa transformation en lumière. Nous observerons en direct les phénomènes magnétiques qui affectent le Soleil en ces temps d'activité exceptionnelle, ainsi que les fameuses et troublantes éruptions solaires sous plusieurs longueurs d'onde. En effet, en observant le Soleil sous une longueur d'onde bien spécifique, il est possible d'observer une couche atmosphérique très spéciale, la chromosphère. Cet environnement solaire, invisible à l'œil nu, est le siège de phénomènes à très haute énergie et d'un fabuleux spectacle, les éruptions et les protubérances. La surface du Soleil, ou la sphère de lumière, la photosphère, est le siège, quant à elle, de phénomènes fantastiques, les taches, les facules et plein d'autres phénomènes qui témoignent de l'activité du Soleil et nous permettent de mesurer cette activité. Enfin, nous découvrirons que le Soleil fonctionne en cycle,
presque comme un cœur qui bat à une période de 11 ans environ, dont 2015 a terminé la culmination du dernier cycle passé. Il a repris son activité depuis fin 2020, début 2021, et se trouve, cette année en 2024, en pleine phase d'ascension. Quant à moi, je prendrai la parole à 16h, après Jean-Louis, donc pour mettre en perspective du coup la physique, le fonctionnement physique du Soleil, pour le mettre en perspective par rapport à notre fonctionnement à nous, et présenter ici du coup la manière dont le Soleil a interagi avec nous et avec la Terre, en m'appuyant sur l'approche scientifique de pointe de Nassim Aramel et sur l'approche spiritualiste de Mikhaïl Aïvanov. Alors autant vous le dire tout de suite, pour ceux qui le savent déjà, que j'ai fait une conférence il y a 3 ans, je crois, à Rennes-les-Bains, sur le Soleil, Notre-Dame, l'Apocalypse et nous, et que j'ai mis en ligne cette conférence voilà, peu après. Notre-Dame, le Soleil, l'Apocalypse et nous, ce sera une version, on va dire, complètement refondue et augmentée de cette conférence qui était un peu digressive, hein, qui n'avait qu'une partie seulement d'astrophysique et de physique quantique et de gnose pure, et qui avait aussi un tout petit peu dérivé sur des dimensions historiques plus ou moins refugiés, enfin bref, mais qui ne figureront pas dans cette nouvelle version. Bref, moi je proposerai du coup, voilà, ce lundi à 16h, une mise en perspective du fonctionnement physique du Soleil par rapport à notre propre fonctionnement à nous, dans le contexte évidemment de l'éveil ou la montée de conscience, la montée gnostique et la montée en gamme, la montée en fréquence de la Terre et de l'humanité à notre époque depuis plusieurs années. Voilà. Voilà ce qui se passera le lundi 15. Et il y aura aussi un concert, du coup, ce soir-là, à 21h, mais il y aura aussi une animation de Jean-Louis, parce que Jean-Louis, aussi, il y a aussi 2 animations d'astronomie, cette fois, à proposer, et on en fera une le lundi soir, peut-être même les deux, et je lui demanderai de les refaire, je pense, le mardi 16, parce que le mardi, j'ai pas encore de concert pour l'instant, bon, à vérifier. Il y aura un concert le lundi 15, mais qui sera fini à 22 ou 23 heures si tu veux, ce qui fait qu'on pourra encore passer une heure et demie, 2 heures en pleine obscurité, et sachant qu'en plus à minuit à Bugarach l'éclairage public s'éteint, ce qui fait que nous pourrons observer le ciel dans de bonnes conditions, et que la pleine lune sera encore 5 ou 6 jours plus tard, ce qui fait que, d'après ce que me disait Jean-Louis, la luminosité sera encore à peu près correcte, l'idéal ayant dû être que nous fissions cela en lune noire. Si tu veux, les contraintes du calendrier étant ce qu'elles sont, j'ai pas pu choper cette date, mais nous ferons, je pense, ce soir-là et le 16, cette animation d'astronomie avec Jean-Louis, voilà. Ok. Quant au concert, le premier concert du lundi 15, ce sera Piangerelli Family, dont je n'ai pas d'extrait à vous proposer pour l'instant. Quoique j'ai même pas vérifié s'il n'y a pas un truc sur YouTube, je vais regarder vite fait. Octobre 2020. Bon. Ouais, non, ça c'est bien. Ça c'est ça. C'est sa nouvelle formation et c'est eux qui seront là mardi soir, lundi 15, lundi soir. Donc je vous laisse l'extrait. Mesdames et messieurs,
ce siècle égaux, où la place sur les yeux n'est qu'un peu pas égaux. Pas besoin de se cacher, cacher les critiques, oui, comme le somme, ça c'est pour les jamais. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs.
Et oui, le micro était resté éteint, c'est con, hein. Donc je vais reprendre, le fil, hein. En reprenant du coup le programme là où je me suis arrêté. C'est-à-dire avec le mardi et la géométrie, la géobiologie et la géographie sacrée. Voilà, ça, ce sera la thématique de la journée. C'est bon le son ? Voilà. Ah non, mais il n'y a pas de mal, hein. Genre, qu'est-ce que ça peut foutre ? Bon, en direct, évidemment, c'est chiant pour vous, mais. Mais en rediff, il suffit d'avancer jusqu'à ce que tu retombes sur le son. Je veux dire, hein, voilà, c'est pas très grave. Donc voilà, ça pour vous dire que donc le mardi, c'est thématisé géométrie sacrée, géobiologie et géographie sacrée. Alors, voilà, je vous ai montré l'image tout à l'heure du. Je vais vous la remontrer. C'est Raphaël Anidjar, voilà, c'est difficile de refaire la même. qui était déjà là l'année dernière et l'année d'avant. Et il fera une conférence pour nous présenter les zones. Qu'il conçoit et qu'il fabrique lui-même. Et voilà, qui sont ces structures en bois, en forme de bulbe. Généralement en forme de bulbe, ça peut ressembler plutôt à une yourte, à une tente, peu importe. C'est généralement en forme de bulbe et surtout à base de triangles, de losanges, pardon, ordonnés au nombre d'or. Donc Raphaël. Conçoit et fabrique lui-même ses propres zones. Il en fabrique aussi sur cahier des charges, donc à la demande plus ou moins, hein. Tu soumets les dimensions, le projet, tout et tout, et il te fait ton zone. Donc il viendra nous présenter effectivement déjà d'où ça vient, parce que c'est récent comme invention. Il y a eu Buckminster Fuller, hein, le fameux mathématicien, chercheur américain, là. Buckminster Fuller, qui a contribué à la création et à l'invention des zones. Ça commence à être très répandu un peu plus en Espagne, hein, que chez nous du reste, et donc voilà, il nous expliquera d'où ça vient, comment ça marche, à quoi ça sert, en sachant que c'est un zoom, donc la matérialisation d'une forme qui agit à plusieurs niveaux et qui agit du coup au niveau de la thérapie, évidemment, c'est-à-dire que habiter là-dedans ou méditer là-dedans, c'est bon pour l'harmonisation du corps et l'alignement, on va dire, subtil du corps. C'est utile évidemment en géobiologie pour nettoyer, purifier l'environnement. La culture des végétaux, évidemment, pour optimiser la culture des végétaux. Pour les habitats, enfin ça c'est de la géobio appliquée. Bon bref, sa conférence permettra de connaître les origines, les caractéristiques et les applications des zones. D'accord ? Ça ce sera le mardi à 10h. À 14h, c'est Benoît Champion qui prendra la parole. Alors Benoît, je vais vous montrer son site. Évidemment, je l'ai fermé. Alors. La 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 la. Donc
Donc voilà le site de Benoît, enfin le site de sa boutique, Benoît Champion. Il est installé à 5 watts de Razès, hein, à côté de Limoux, et depuis 2015. Et bien il conçoit, lui aussi, il fabrique ses propres outils d'harmonisation, d'alignement, de purification, ce que tu veux, le pilier de Jed, pilier égyptien. Voilà, une lampe en dodécaèdre, un duo des pièces pour neutraliser le compteur électrique. Il a aussi un autocollant pour neutraliser la box, la boîte Wi-Fi, tu vois, enfin. Toute une série d'objets, d'appareils basés sur l'ombre d'or, basés sur les solides de Platon, voilà, qui permettent un peu d'optimiser. Dans les attaques, là, c'est pour défoncer le compteur Linky, neutraliser le compteur Linky, les compteurs électriques. Voilà, toute une série d'outils qui permettent d'harmoniser, d'améliorer, de bonifier l'environnement immédiat dans lequel on habite, mais aussi. Ton propre habitat corporel, si j'ose dire. Donc Benoît, il organise un atelier mercredi et jeudi matin à 11h, mais le mardi à 14h, lui, il présentera, pour le coup, toute la théorie qui est derrière cet ensemble de phénomènes et d'appareils. C'est-à-dire que nous, alors sa présentation, c'est que nous sommes entourés de formes de toute taille, de toute géométrie, mais qui, selon leur architecture, peuvent manifester le sacré, c'est-à-dire une influence positive, bénéfique, par l'expression des nombres, c'est-à-dire par les supports numériques par lesquels ils sont élaborés. Puisque tout sur Terre est nombre, hein. Tout a été fait selon des poids et des mesures, hein, comme dit Jéhovah. Et c'est vrai. La matière est l'expression de l'énergie des nombres, et que ce soit pi, le nombre d'or, et même n'importe quel autre nombre, la série des nombres, hein, de 1 à 9, et toute la série des nombres ensuite, tout cela génère un champ de force, génère une information qui va informer du coup l'environnement proche, hein, à commencer par nous, et induire des effets plus ou moins légers, mais qui sont tous soit rarement neutres, qui sont tous plus ou moins bénéfiques ou négatifs. Donc on trouve également ces vibrations dans le tarot. Le tarot encode cette connaissance-là au fil des arcanes, qui explore la vie de la naissance jusqu'à la réalisation du chemin de vie de l'individu. Donc je vous proposerai un tour d'horizon de ce qui construit les formes énergétiques, comme les solides de Platon ou le Jed, comment ces énergies nous accompagnent et nous nourrissent, comment tous ces éléments particuliers harmonisent notre vie et agissent pour notre bien-être et notre évolution. Voilà, donc son site, je vous l'ai montré. Vous aurez tout après sur la page de mon site, hein, avec toutes les infos, les liens des gars. Et ce jour-là, du coup, mardi, moi, je prendrai la parole à 16h. Donc pour aborder, après la géométrie et la géobiologie, moi, j'aborderai la géographie sacrée. Quand le ciel informe la Terre, qui sera ni plus ou moins que la suite, donc le prolongement et l'approfondissement de la révélation des Pyrénées, le Graal pyrénéen que j'avais présenté l'année dernière lors du Parage 2023, où j'ai présenté mes captures d'écran de géographie sacrée sur les Corbières, les Pyrénées, on va dire la France et l'Espagne, hein, mais centrées sur les Pyrénées. Et je présenterai cette fois-ci les résultats que j'ai trouvés ailleurs, sur la France, sur l'Europe, sur le Moyen-Orient et sur le monde. J'ajoute que je présenterai cette conférence de l'an passé, la révélation des Pyrénées, le Graal pyrénéen, à Lyon le 18 ou le 19 mai, parce que je serai les 18 et 19 mai, au colloque de géographie sacrée organisé par Pierre-Alexandre Nicolas, Alchemia Édition, et sa femme Salima, au centre Jean Bosco de Lyon, mais je l'annoncerai bientôt, ce sera le 18 et 19 mai, suite à quoi je publierai sur internet, de manière montée, propre et tout, cette conférence sur la révélation des Pyrénées, le Graal pyrénéen. Et suite à quoi je pourrai présenter au Parage, en juillet, une version, là aussi, augmentée, élargie de cette conférence-là. Ce sera le mardi à 16h. Voilà, le mercredi 17. Le mercredi 17 sera la journée consacrée à la Catalogne et à l'Occitanie visigothique. Alors vous savez, si vous me suivez un peu déjà, que l'histoire des Visigoths, la culture et l'héritage des Visigoths font partie des grands tabous, des grands sujets d'histoire censurés dans notre pays par la racaille et la mafia satanique qui squattent notre pays. Pourquoi ? Ben parce que je l'ai déjà expliqué, mais les Visigoths, ils ont brassé avec eux un héritage ésotérique hors du commun.
qui inclut la Kabbale hébraïque et qu'ils ont inscrit dans le pays, dans le territoire et dans certaines de leurs villes principales comme Toulouse et Gérone. Et que tout cela n'est pas neutre et tout cela génère encore une activité, pas seulement subtile, qui est en rapport avec la fin du cycle. Il y a une dimension apocalyptique, eschatologique des Visigoths, de la mission des Visigoths, qui ont fait, à peu de choses près, ce que les Juifs appellent un peuple élu. J'ai déjà consacré une conférence là-dessus, je vous y renvoie si ça vous intéresse. Elle figure sur ma chaîne YouTube, elle doit remonter à 2 ans maintenant. Bref, donc pour nous parler de la Catalogne, nous aurons... Alors voilà, j'avais sorti les livres, vous savez qui il est. Je l'ai rangé, Georges Labouisse, non, il est là-bas. Voilà, il est là. Tac, donc je vous montre l'intervenant. Sera Georges Labouisse, donc l'auteur du dernier bouquin digne de ce nom sur les Visigoths, livre grand public, hein, qui parut en 2006 sur les Visigoths, peuple nomade, peuple souverain. Alors, Dieu sait que la souveraineté est un concept intéressant à l'heure actuelle, hein, vital, mais donc voilà, publié chez Lou Battière en 2006, accessible, didactique, très bien illustré, plein de bonnes références sur l'archéologie, l'art, l'orfèvrerie des Visigoths, qui était vraiment ce qu'on peut appeler un peuple d'élite, hein, l'architecture qu'ils ont laissée un peu ici en France et en Espagne. Donc voilà, c'est un des meilleurs, je pense que c'est le meilleur à l'heure actuelle encore en vie sur la question, Georges Labouisse, parce que c'est un bonhomme âgé quand même, qui nous parlera en particulier du code d'Alaric. Alors le code d'Alaric, c'est quoi? C'est le bréviaire qu'a compilé et qu'a fait rédiger Alaric II, le roi des Visigoths jusqu'en 507. Ça, c'est sorti en 506, le bréviaire d'Alaric. Il a fait une compilation juridique de droit romain adapté au droit visigothique et au droit coutumier des Visigoths. Ça a donné le bréviaire d'Alaric, qui est aux origines du code civil, hein, qui a été vraiment la base juridique de tout le Moyen-Âge et de toute la modernité européenne par la suite, c'est-à-dire que le code civil découle de là, le droit naturel et les droits de l'homme découlent de là. Donc la fondation juridique de l'Europe médiévale et moderne, c'est aux Visigoths que nous la devons et au bréviaire d'Alaric, que nous présentera pour le coup Georges Labouisse. C'est là encore quelque chose d'assez peu connu, mais d'assez important à connaître et à maîtriser. Pour le coup, en termes de souveraineté, hein, si on a un peu l'ambition de reprendre un peu notre souveraineté individuelle et nationale en main, de la manifester et, comme je vous l'ai dit au début, d'être des acteurs politiques dignes de ce nom, capables de décider ce qu'ils veulent pas pour eux et pour leur pays. C'est aussi l'objet du parage, hein, c'est de mettre en œuvre cette qualité, ces capacités-là. Et ma foi, à ce titre, un des outils qu'il est bon de maîtriser, c'est bien évidemment l'histoire, notre histoire juridique, l'histoire de notre droit, et en l'occurrence, elle repose sur les Visigoths et le code d'Alaric. Donc il y a 1600 ans, Toulouse devenait la capitale du royaume des Visigoths, un territoire immense hein, qui s'étendait à son apogée de la Loire jusqu'à Gibraltar. Originaire de Scandinavie, bon, ils viennent d'ailleurs que ça, mais c'est à partir de la Scandinavie que leur présence est connue aux Européens de l'Ouest. Les Visigoths sont sur la mer Noire au IIIe siècle, hein, donc du côté de la Bulgarie, la Roumanie, aux portes de l'Empire romain, où ils vivent d'agriculture, d'élevage et de chasse, mais où leur réputation d'efficacité aussi bien militaire qu'administrative est telle qu'en 1418, les grands propriétaires terriens de l'Aquitaine, du sud de la Gaule, qui sont paniqués par les soulèvements populaires à répétition et par les coups d'État militaires à répétition, hein, qui voient se succéder des empereurs fantoches tous les 6 mois, mais ils en ont marre et ils décident de confier la gestion de l'administration du territoire aux Visigoths. Et ils votent à Arles, qui était la capitale du prétoire occidental, une sorte de division administrative qui correspond à peu près au territoire de la France actuelle. Ils votent et ils décident de confier aux Visigoths l'administration du pays et de les laisser s'installer, s'établir au sud de la Gaule.
Toulouse donc sera dès les années 419-420 le cœur de ce royaume wisigothique où se concentrera toute l'activité économique et le commerce des produits de luxe, des tissus, des denrées agricoles, etc. Elle sera aidée par un solide réseau de routes qui était établi depuis plusieurs siècles par les Romains et aussi par la prospérité de vastes villets comme Montmorin, Valentine et Séviac. Les villets c'était de grandes unités agricoles. D'autre part, R sur l'Adour, vers le Béarn là-bas, sera une résidence appréciée donc par le roi Euric le Grand, le roi qui a poussé le royaume wisigoth à son apogée. Et c'est à Ers-sur-l'Adour que son fils Alaric II réunira une équipe de spécialistes du droit romain pour rédiger un nouveau code de loi au début du 6e siècle, donc en 506, qui sera le bréviaire d'Alaric et qui sera la base du droit en Occitanie jusqu'à la Révolution. En fait, la politique juridique des Visigoths de Toulouse a permis de transmettre aux futures nations d'Europe l'essentiel du droit antique. C'est aux Visigoths, et non pas aux Francs ni aux théologiens catholiques, que l'Europe doit sa culture juridique, jusqu'au Code civil de Napoléon. Voilà, et à 16h, pour le coup, c'est un spécialiste de la Catalogne, cette fois-ci, qui prendra la parole. Joan Villanova. Alors Joan Villanova, c'est lui, auteur d'une histoire populaire des Catalans en 3 tomes, paru en 1979, et qui s'était vendu à 12 000 exemplaires à l'époque et qui n'a pas été réédité parce que aucun éditeur n'a le courage d'éditer un historien qui n'est pas diplômé historien. Hein. Ça vous donne une idée de la mauvaise foi, de l'hypocrisie, de la lâcheté, de la stupidité des éditeurs qui refusent de publier un livre qui marche bien, qui est très bien fait, qui est intelligent, qui est facile à lire, qui est cohérent, mais parce que l'auteur n'est pas diplômé d'histoire. Alors qu'il fait de l'histoire mieux que n'importe quel connard d'historien diplômé. Hein. J'ai déjà consacré une émission à la question. La stupidité, la supercherie, l'escroquerie, la lâcheté, l'hypocrisie sans borne des historiens en archéologie, en histoire, qui sont formés et qui sont payés pour mentir, pour trahir la vérité historique, pour renier notre passé et pour enseigner que des mensonges et des saloperies aux gens en crachant sur leur histoire, en salissant leur mémoire, en salissant leur passé, pour mieux leur couper de leurs origines et leur couper de leurs racines et leur faire croire que nos ancêtres n'étaient que des barbares stupides, abrutis, sans foi ni loi, qui doivent tout aux Romains, qui leur ont appris à se laver, à se raser, à écrire, à compter, ce qui est faux, puisque les Gaulois, les Celtes étaient bien plus civilisés que les Grecs et les Romains à l'époque, ne serait-ce qu'au niveau de l'égalité homme-femme, ne serait-ce qu'au niveau de la métallurgie, de l'artisanat, de l'orfèvrerie. Les Gaulois, les Celtes étaient bien supérieurs aux Grecs et aux Romains, donc voilà. Et c'est pour ça que cette racaille d'historiens et d'universitaires de merde essaie de nous faire croire que nous devons tout aux Romains, c'est-à-dire aux nazis, hein, qui sont les ancêtres des mondialistes actuels, et qu'ils continuent du coup à nous mentir sur notre origine et notre passé. Donc c'est aussi pour ça que je fais venir John Villanova, qui a réédité en un seul volume les 3 tomes de son histoire populaire des Catalans, pour faire une histoire du pays catalan qui est excellente. Et qui nous présentera, du coup, en bon honnête homme qu'il est, eh bien, un aperçu de l'histoire catalane, en passant par le prisme particulier de Perpignan, qui était une capitale royale, hein, à l'époque du royaume de Majorque. Perpignan avant le traité des Pyrénées et Perpignan après le traité des Pyrénées. Le traité des Pyrénées de 1659, qui voit la France, après sa victoire contre l'Espagne, couper en deux la Catalogne et poser arbitrairement les Pyrénées comme frontière du royaume en infligeant le même sort que la France coloniale infligera par la suite aux Africains au 19e siècle et au 20e siècle en traçant sur la carte une ligne droite et en disant bon bah là c'est comme ça et là ça va s'appeler comme ça. Quant au reste, le pays, la culture, le passé, la langue, on oublie, ça n'existe plus. Et voilà, Louis XIV a fait pareil en Catalogne au XVIIe. Donc John Villanova, il nous présentera l'origine pour le coup de la ville de Perpignan. Donc on est à l'époque où une féodalité sans foi ni loi qui empêche tout le monde de vivre et de fonctionner et qui motive du coup à Toulouse l'organisation d'un synode qui sera quand même l'un des moments forts de la civilisation européenne hein, tout entière.
où en 1027 à Toulouse, à côté de Perpignan, l'abbat Oliba, qui est le fils de ce mec-là, donc lui c'est Oliba Cabretta, un seigneur visigoth, un seigneur de Bézalou, mais aussi une reine de château, à l'époque de Hugues Capet, l'un de ses fils sera l'abbé Oliba, qui va fonder le monastère, l'abbaye Saint-Michel de Kucha, qui est une des plus importantes abbayes d'Europe. Et l'abbé Oliba, donc de Kucha, va organiser un synode en 1027 à Toulouse, à côté de Perpignan, avec des gens d'église, avec des seigneurs, avec des simples citoyens, pour décider ensemble d'instaurer la trêve de Dieu, c'est-à-dire l'interdiction de se battre, l'interdiction de combat entre le samedi après-midi et le lundi matin. Et c'est tellement intelligent et brillant que tout le monde va adhérer et tout le monde va être d'accord et que ça va se répandre à l'Europe entière. Donc c'est une date fondamentale pour le pays catalan, mais même pour l'Europe tout entière. Avec la venue par la suite donc de Alphonse Ier, Perpignan est nommé Lloc Réal, lieu royal. La charte communale de 1197 limite le pouvoir des seigneurs féodaux et bonifie considérablement les rapports humains. Comment éviter que les puissants ne dirigent la ville à eux seuls? Les Perpignanais vont mettre en place tout un système astucieux pour se protéger des abus de pouvoir des riches. Le synode de Toulouse 2027 sera considérablement amélioré pour aboutir à un parlement permanent de députés. En 1214, c'est la Corte catalane, c'est la Catalogne, et vraiment le pays le plus démocratique d'Europe et du monde à cette époque-là. Quel était son rôle? Eh ben, le peuple catalan a pris le pouvoir. Puis en 1359, c'est l'instauration du gouvernement de la généralité, elle gouverne de la Generalitat. Plusieurs dizaines de Perpignanais siègent régulièrement à Barcelone pendant 3 siècles. Pendant le royaume de Majorque, donc au 14e, Perpignan a été une nouvelle fois ville royale, puisqu'elle était la capitale du royaume de Majorque. Le négoce s'amplifie en Méditerranée, où les Catalans dominent toute la Méditerranée jusqu'au Liban pendant le 13e, 14e et 15e siècle. Au nord en terre chrétienne, mais aussi au sud en terre musulmane. Comment les négociants catalans signaient-ils un traité commercial avec les souverains d'Afrique du Nord? Pendant des siècles, Perpignan a été la deuxième ville des terres catalanes après Barcelone. À tel point que les Borgia, qui donneront des papes, la famille Borgia à Florence, étaient des Borgia de Barcelone, c'était des Catalans. À tel point que Christophe Colomb lui-même était catalan en fait. Il venait de Pals sur la côte catalane. C'est dire le niveau et la qualité des navigateurs et des commerçants catalans à cette époque-là, puisque voilà, c'est un catalan, Christophe Colomb, qui créera le commerce outre-Atlantique. Cependant, Madrid et Paris finissent par s'entendre pour se partager le pays catalan et mettre un terme à la puissance catalane. Ce sera le traité des Pyrénées, signé en 1659, qui va ruiner Perpignan et toute la Catalogne. Voilà, donc Joan nous racontera ça dans une conférence en deux temps, c'est-à-dire Perpignan et la Catalogne avant le traité des Pyrénées, et la Catalogne et Perpignan après le traité des Pyrénées, qui décrira le long déclin et la ruine orchestrée par la France, de ruiner la Catalogne et Perpignan. En vampirisant, en mode fiscal, en mode parisien, le parasitisme parisien qui va ruiner le pays jusqu'à faire de Perpignan à l'heure actuelle une des villes les plus pauvres de France, alors qu'elle a été la capitale de la Méditerranée quand même. Voilà pour ce jour-là, je commence à tirer un peu, je t'avouerai là. Je vous ai mis l'extrait musical de la menuise du mercredi. Voilà, on va pouvoir passer au dernier jour du festoche, le jeudi 18, qui sera consacré, lui, comme d'habitude, le grand classique, l'incontournable, l'inévitable mystère de Rennes le Château, qui sera inauguré du coup à 10h ce matin-là. Par Louis Marty, qui est venu l'an passé, qui avait eu un petit succès quand même avec sa présentation du mystère de Rennes, le château, vu du côté catalan. Et voilà, vu qu'il en a sous le coude, le Louis, il revient pour nous présenter l'hypothèse de Lucifer dans les Pyrénées. C'est-à-dire que il va partir d'une publication d'un livre de Patrice Chaplin, qui est une auteure anglaise, la petite fille de Charlie Chaplin,
qui est une nana qui est un peu grenouillée dans les milieux occultistes, artistiques ou ésotériques de Giron, où il y avait des kabbalistes, où il y avait des gens un peu sérieux, et où elle a récupéré plein d'infos sur l'ésotérisme catalan, en fait, l'ésotérisme visigoth et kabbaliste de la Catalogne. Elle en a fait un livre que Louis va utiliser pour tester son hypothèse, à savoir que Lucifer est arrivé dans les Pyrénées il y a plus de 5000 ans. Qu'y a-t-il de vrai là-dedans ? Qui est Lucifer ? Alors, réflexion, hein, du coup, sur la nature de l'enquête de Lucifer et des Pyrénées. Des Pyrénées ou d'autres légendes, hein, situent Hercule ainsi que les Hespérides, et comme on l'a vu lors du dernier parage, là encore à l'appui d'un livre de Patrice Chaplin, un portail vers d'autres dimensions, c'est-à-dire au moins une entrée de Lagartha. Pour ce qui concerne le mont Canigou, ça paraît quand même assez clair, mais ça, je vous dis tout de suite que... Bon, c'était déjà l'objet de ma présentation sur la révélation des Pyrénées, le Graal pyrénéen, mais ma présentation du mardi, hein, sur la géographie sacrée ira assez loin dans ce sens, pour montrer comment, pour le coup, ça communique entre le ciel et la terre, mais aussi, du coup, entre la terre et l'intra-terre. Programme du coup de sa conférence, présentation et résumé de l'ouvrage de Patrice Chaplin, The Stone Cradle, le berceau de pierre. Qui est Lucifer ? Donc les diverses théories et opinions sur Lucifer, le personnage, hein, de Lucifer, comme en tant que personnage réel. Et les Pyrénées, qui font l'objet de plusieurs mythes et légendes, mais pourquoi pas aussi de pures et simples réalités. Donc on va interroger le légendaire pyrénéen. Et du coup, Lucifer dans les Pyrénées, sujet hollywoodien, mythe, à vous de participer à la réflexion. Voilà, et à 14h, nous enchaînerons avec un hommage que je conduirai avec Véronique Jouve, la fille de Georges Kiss, un hommage à Georges Kiss, qui est mort il y a quelques semaines, et qui fut l'une des plus grandes figures de la Haute-Vallée de l'Aude, est l'un des meilleurs chercheurs du mystère de Rennes-le-Château. Georges Kiss, qui était le fondateur et le président du Centre d'études et de recherches templières, qui était centré à Campagne-sur-Aude, hein, au fort templier de Campagne-sur-Aude, hein, à l'église de Saint-Sébastien. Il a écrit plusieurs ouvrages d'histoire locale sur les templiers, ici, et sur les templiers en général. Il a énormément contribué à éclaircir les enjeux réels, c'est-à-dire les tenants et les aboutissants de la forte présence templière dans le Razès, hein, dans les corbières cathares, y compris et en particulier lors de la sinistre croisade contre les Albigeois, et leur rôle dans ce qui est devenu depuis le mystère de Rennes-le-Château. À cet égard, Georges, il avait exhumé des archives, il l'avait montré lors du parage 2019, je crois. Il avait exhumé des archives, un document inédit, issu de l'archevêché de Narbonne, portant excommunication de Simon de Montfort 2 ans avant la mort de Simon de Montfort en 1216, ce qui revient à dire que toutes les conquêtes de Simon de Montfort étaient nulles et non avenues, ce qui revient à dire que l'annexion de l'Occitanie par le roi de France est nulle et non avenue, qu'elle ne repose plus que sur l'habitude du passé, alors que techniquement, juridiquement, pour le coup, les conquêtes de Simon de Montfort ont été annulées par l'excommunication de Simon de Montfort par l'archevêque de Narbonne en 1214. Donc ça fait partie des choses un peu vitales, un peu cruciales, hein, en termes de sciences politiques et juridiques, que nous rappellerons pour rendre hommage à Georges, donc ce jeudi-là, 18 à 14h. Et enfin, la tête d'affiche de ce jour-là sera Jean-Pierre Garcia. Jean-Pierre Garcia, qui est l'un des derniers chercheurs à faire les trouvailles. Bon, il y a aussi Christophe Carlier, mais Christophe Carlier ne pourra pas être là, a priori, puisqu'il habite au Mexique. Carlier, c'est le mec de la chaîne L'Œil Frontal, hein, que je vous invite à consulter, chaîne YouTube L'Œil Frontal, qui diffuse ses recherches, mais aussi ses trouvailles. Carlier, en termes de géographie sacrée pour une part, mais aussi d'archéo-astronomie, puisqu'il recourt aussi pas mal à la position des étoiles et des constellations dans l'Antiquité, pour expliquer et décoder le mystère de Rennes-le-Château, et ça marche.
Donc il pourra pas être là au parage cette année a priori, mais j'espère qu'il pourra être là au parage de l'année prochaine. Parce que voilà, il fait partie des rares chercheurs à continuer la recherche et à trouver des choses surtout. Donc il y a lui, mais il y a aussi Jean-Pierre Garcia qui trouve des choses. Donc Garcia, il prendra la parole à 16h du coup, ce jeudi-là, bah, pour présenter, hein, tout simplement faire un point sur l'état actuel de sa recherche au niveau du Bézis, la petite vallée du Bézis, qui est ce ruisseau, la minuscule, qui s'écoule de la forêt qui est derrière Bugarach, jusqu'à la vallée du Rielsès, du côté de Arc et de Serre, en bas du Cardou, d'accord ? Et donc pour lui, voilà, il a suivi deux pistes codées qui ont été élaborées à 2 siècles de distance, mais qui conduisent à un même endroit du coup, qui est cette mini-vallée, la gorge du Bézis. Après avoir suivi la piste du domaine de Béranger-Saunière, à Rennes-le-Château, hein, qui est codée, et aussi la piste du tableau qui est plus vieux de 2 siècles, le tableau de la Tentation de Saint-Antoine, de David Tenier le Jeune. Mais il a fallu 10 ans d'études et d'exploration pour qu'enfin, à partir de 2017, le Bézis, donc cette gorge, lève peu à peu le voile sur son mystère, puisque c'est un lieu qui est codé, qui est indiqué par le tableau de Tenier et par le domaine et l'architecture du domaine de Saunière. Il est temps maintenant de partager, en compagnie de quelques auteurs célèbres, ce précieux patrimoine et surtout d'en interroger le contenu, oui, puisque Garcia a trouvé dans la littérature énormément de références à la gorge de Bézis, hein, chez Chateaubriand, chez Georges Sand, chez Maurice Leblanc évidemment et Arsène Lupin. Victor Hugo, je crois, je sais plus qui d'autre il a mobilisé comme écrivain célèbre pour trouver des références à cette petite gorge minuscule qui est l'un des cœurs en tout cas palpitant du mystère de Rennes-le-Château. Voilà, c'est donc lui qui terminera la série des conférences de ce parage à 2024. Et ce soir-là, pour finir en beauté, nous aurons qui ? Nous aurons Balle des Bois, dont je vais vous proposer un morceau avant de passer à quelques questions-réponses. Voilà, donc la vidéo est un peu pourrie et dégueulasse, hein, parce que ça a été tourné à l'arrache au smartphone et publié tel quel, mais néanmoins, bon déjà ça gâche à rien, le son est correct, et ça suffit. Balle des Bois, ce sera le jeudi 18 à Bugarach. Thank you.
Ah merde, putain, j'étais resté en mute. Ah, désolé, putain, je vais arriver à m'habituer à ce putain de micro de merde. Bon, bref, je vous disais... Oui, voilà, micro. Bah, je vous disais, voilà, hein, lundi 15, astrophysique exopolitique, avec le fonctionnement du Soleil et le témoignage des gens qui ont été abductés, qui ont eu affaire à des forces extraterrestres, avec le pilote du documentaire Les Ailleurs, en avant-première mondiale. Puis la physique et l'astrophysique du Soleil, comment fonctionne le Soleil et comment il interagit avec nous. Voilà, ça, ce sera le lundi. Le mardi, géobio, géométrie, géobiologie, géographie sacrée. Donc là encore, on sera pas loin de la physique, parce que le Soleil lui-même, il répond à des ondes de forme et géométriques, mais les particules élémentaires, les atomes, la structure moléculaire et la structure cellulaire elle-même, est ordonné à des figures géométriques, à des valeurs numériques comme le nombre d'or et phi, mais aussi à des structures géométriques. Donc on va explorer ça avec les ohmes de Raphaël, avec les ondes de forme de Benoît et avec mes applications de géographie sacrée au niveau du territoire. Voilà, ce sera cohérent. Le lendemain 17, ouais, notre héritage et nos origines politiques, juridiques, avec l'Occitanie et la Catalogne visigothique, qui sont vraiment à l'origine de ce qu'il y a de mieux dans l'Europe moderne, hein, au niveau de la culture, au niveau juridique, au niveau du droit. Donc nous irons voir un peu dans notre héritage, hein, occitan, catalan, ce que les Visigoths ont apporté et qui a permis de bâtir l'Europe dans ce qu'elle a de meilleur à l'heure actuelle, d'accord, hein. Notre culture juridique vient des Visigoths. Et enfin, le jeudi 18, le mystère de Rennes-le-Château, avec Louis Marty, le catalan, et l'hypothèse de Lucifer dans les Pyrénées. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et à quoi ça sert? À 14h, l'hommage à Georges Kiss, qui était le grand ancien et voilà, une dernière grande figure en action des chercheurs de la Haute-Vallée de l'Aude, et suivi à 16h de Jean-Pierre Garcia, donc qui nous présentera, lui, qui fera un bilan de ses dernières découvertes dans la vallée et la gorge du Bézis. Voilà, suivi d'un concert, il y aura un concert tous les soirs, sauf le 16, où je sais pas encore qui c'est qu'il y aura. Il y aura l'atelier géobio de Benoît Champion à 11h, il y aura d'autres animations et ateliers d'astronomie de Jean-Louis dans la soirée. Il y aura deux camions à bouffe, deux food trucks, Luna Cuisine, qui font de la tambouille, du terroir amélioré, fin, direct, local, producteur, tu vois, mais terroir amélioré, tu vois, enfin, truc un peu recherché, un peu raffiné, magnifique. Et il y aura un deuxième camion qui, lui, sera dans le registre ch'ti. Frites à la graisse de bœuf, fricandelles et gros burger dans ta gueule. La ch'ti de frites, ch'ti Fred le ch'ti et Luna Cuisine. Donc il y aura deux camtars. Ils seront là tous les deux le midi et ils se partageront les soirées. Ou l'inverse, je sais plus, il faut que je les rappelle. Mais en tout cas, on aura le choix, on aura deux magnifiques camions à bouffe pendant le festoche. Et bien sûr, évidemment, la buvette, le bar avec les tisanes, les boissons fraîches, le jus de fruits, la pression, le vin, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour aller bien pendant 4 jours, voilà ce que sera le Parage 2024 à Bugarach. Donc du coup, avez-vous des questions? Avant que je rende le micro, non mais promis, c'est la dernière fois que j'oublie le micro pendant les extraits musicaux. De toute façon, vous savez quoi, ça c'est un direct, voilà, c'est les aléas du direct, hein, parce qu'en plus je suis crevé, bon, c'est normal que comme je cours 15 000 lièvres à la fois... il faut que je dise quoi, faut que je montre quoi, j'avais prévu ça, tel onglet, tel bouquin, telle image, ok, tout ça, du coup, ça passe à là, ça, bon, à la rigueur, c'est pas très grave, mais ça porte dire que je vais quand même réaliser une vidéo montée exprès pour reprendre le programme et l'annoncer, voilà, ultra synthétique, bien précis, pour que ce soit simple, plus simple et plus percutant que là, une émission de 2 heures, où, bon... c'est pas du tout le même rapport, le même plaisir, ni le même intérêt en termes d'infos, d'informations. Je comprends que ce soit chiant, surtout quand j'oublie le micro pendant 1 heure, tu vois. Donc je publierai le programme du Parage en vidéo beaucoup plus courte et bien montée, ainsi de suite, voilà, dans les jours qui viennent, enfin peut-être pas les jours qui viennent parce que je serai encore absente chez moi de samedi jusqu'à mercredi, je crois.
Enfin bref, moi, bon, dans les prochains jours, voilà, arrivera une vidéo montée propre du programme du Parage, ainsi qu'une vidéo montée propre du programme du stage. Opération Bugarache, hein, où je vous invite à retourner voir la page sur mon site parce qu'il y a eu quelques modifications. Les photos des chambres ont été mises ensemble sur un menu déroulant, ce qui est plus agréable et plus confortable. J'ai changé le numéro de téléphone aussi pour vos réservations de la chambre. J'ai ajouté une adresse courriel aussi pour joindre le propriétaire du gîte. Bref, quelques menus infos logistiques en plus. Mais je ferai aussi une autre vidéo plus propre qu'un direct pour présenter le stage Opération Bugarache. Voilà. Sur ce, je pense avoir dit l'essentiel aussi, par rapport aux enjeux soulevés par mon programme, par ce programme politique, exopolitique, histoire et culture juridique, importance, donc les Visigoths. Et ma foi, il y aura toujours un peu de gnose et d'ésotérisme, avec ma présentation de géographie sacrée, avec aussi le topo, si j'en fais un sur Rennes le Château, si j'ai le temps et la force de prendre la parole après Jean-Pierre Garcia pour éventuellement mettre en perspective 2-3 éléments clés sur le mystère de Rennes le Château par rapport à ce qui aura été dit ce jour-là et les jours précédents. Hein, peut-être que je ferai une récapitulation générale du Parage le dernier jour. Et alors j'ai vu passer la question, oui, j'ai un contact, alors je vais essayer d'assurer la prise d'image, la prise de son des conférences pour les mettre en ligne. Pour la première fois, j'ai essayé une ou deux fois, ça a merdé, j'avais pas les compétences et j'avais pas les gens compétents autour de moi pour assurer ça, parce que c'est chaud quand même la prise de son, la prise d'image en direct, c'est vraiment casse-couille. Donc là j'ai un contact, donc je vous promets pas, faut que je vous tiendrai au courant. Une fois que ce sera fait. Et je pense, j'espère, je crois, pouvoir, je touche du bois, pouvoir assurer la prise de son, la prise d'image des conférences de cette année pour les mettre en ligne et les mettre en accès libre, du coup, par la suite, gratos, quoi, tu vois, voilà. Bon, sachant que là, l'accès aux conférences en présentiel, c'est 10 balles à l'entrée, c'est quand même pas cher, sachant que j'en reverse la moitié aux conférenciers. Que le budget concert, le budget groupe est énorme, que je prends des risques cette année, hein, au niveau de l'orga, de la logistique, au niveau des concerts surtout, je prends des risques parce que ils sont chers. Enfin, les bons musiciens, c'est cher en soi pour un petit budget d'association comme le mien. Après, les groupes ne sont pas chers parce que pour ce qu'ils font. Il y en a qui prend 600, il y en a qui prend 1000, il y en a qui voulait prendre 1002, il me prend que 1000 parce qu'ils sont dans le coin, la menuise, bon bref. Mais enfin, au cumul, ça fait quand même un beau ticket, tu vois, et je vends pas assez de livres pour ça, ça c'est certain. Donc venez en masse, parce que du coup c'est la buvette qui va me permettre de me rembourser les groupes et de faire rentrer un peu de bénéf dans mon asso, qui me permettra de continuer d'organiser des choses. Y compris du contenu sur internet, et de la randonnée accompagnée, organisée. Ça me permettra éventuellement de baisser les prix des stages, de baisser le prix de Raymond Abellio en avril, de baisser le prix de l'opération Bugarache cet été. Si je rentre assez de thunes au Parage, je pourrais faire un effort sur le prix des stages. Hein, donc venez au concert, venez aux conférences, il y aura plus d'une centaine de places assises, donc tu vois, on sera large. Ce sera bien sonorisé, il y aura un bon écran, enfin je pense que techniquement ce sera à peu près en place quand même. Nous serons dans de bonnes conditions, sous la halle, fermée, en centre-village, hein, tu sors de là, il y aura le bistrot, il y aura le camion à bouffe, il y aura la pelouse pour aller trouler par terre, il y aura les zômes de Raphaël pour aller méditer dedans et récupérer un peu, tu vois, intégrer un peu la dose d'infos que tu auras reçue, donc... Et puis il y aura le lac du village à 5 minutes de marche pour aller te rafraîchir, échanger les idées. Je veux dire, on est vraiment dans des putains de bonnes conditions pour faire ça, et pour que ce soit optimal pour tout le monde. En prendre plein la gueule au niveau des infos, bosser corps, âme, esprit, tu vois, en prendre plein la gueule au niveau des infos, mais plein l'esprit, plein l'âme, plein le corps. Bien boire, bien manger, rencontrer du monde qui est sur la même longueur d'onde. Hein. Et se faire une bonne mise à niveau, je te dis, d'histoire, de politique, de géographie sacrée, de géométrie, et sur Rennes le Château aussi, une bonne mise à jour, tu vois, parce que sur tous ces sujets-là, je suis désolé, mais je suis à la pointe.
L'exopolitique et l'astrophysique, bah, je serai à la pointe grâce à Jean-Louis Lefebvre. Mais voilà, sur Rennes le Château, ben, je serai à la pointe grâce à Garcia, puis grâce à Georges Kiss aussi, hein, à qui je dois pas mal de choses que j'expliquerai, mais parce qu'il est venu à Paradj, lui, quasiment à chaque fois. Je serai à la pointe sur la géographie sacrée, ça c'est certain. Hein, la révélation des Pyrénées, c'était déjà la pointe. Là, ça va encore pousser le sujet encore un peu plus loin, encore un peu plus haut. Ce sera bientôt, voilà, dans quelques mois, la révélation des Pyrénées sera enfin en ligne, donc vous verrez que voilà, je raconte pas de conneries. Je suis à la pointe sur le sujet, j'y peux rien, voilà. Et sur l'histoire de l'Occitanie, de la Catalogne et des Visigoths, bah je suis à la pointe aussi, j'y peux rien. Et les auteurs que je fais venir, bah c'est les meilleurs dans leur domaine, j'y peux rien. Donc le Paradj, c'est pas de la merde, donc venez. Et le soir, voilà, il y aura des concerts avec quelques-uns des meilleurs groupes du coin, La Menuise, Piangerelli, Baldewa. Ça va quoi, c'est carré, c'est propre, c'est bon esprit, c'est festif et ça va déchirer. Donc venez. Pas de réservation cette année, hein. Vous venez, il y aura la place pour tout le monde, hein. Je me fais pas chier à prendre des réservations parce que voilà, c'était le cas au château l'an passé, parce que les places étaient limitées. Là, il y a plus de 100 places assises, donc je pense que ça ira, tu vois. 10 balles l'entrée de la conférence, concert gratos. Les concerts sont offerts, donc venez boire un coup, venez bouffer, et voilà, ça me permettra de continuer à faire ça l'année prochaine, au moins dans d'aussi bonnes conditions, et ma foi, voilà, vive la vie, merci à vous, merci à nous, j'espère que ça va le faire. Et puis voilà, rendez-vous, je pense. Alors peut-être pas mercredi prochain, parce que je pense que je serai encore sur la route. Mais voilà, peu après, soit le mercredi d'après, ou peu après mercredi prochain, on verra pour un prochain direct si je le sens, si j'ai besoin, si j'ai envie, s'il y a suffisamment de matos. Sinon, je donne rendez-vous sur mon réseau habituel, face de book, pour l'actu courante, quelques photos par-ci par-là, quelques liens par-ci par-là. Et puis pour les prochaines vidéos d'annonce, voilà, sur le Paradj et sur les stages qui suivront dans les sous dizaines ou sous 15 jours, je m'occuperai de ça. Pour vous présenter tout ça de manière un peu plus concise et condensée que dans un direct de 2 heures avec 3 quarts d'heure sans son, je comprends que c'est un peu pénible. Mais enfin voilà, j'ai pas encore pris l'habitude de cet engin là, tu vois, ce qui fait que voilà, comme je coupe le micro pendant la diffusion de la musique, que je reprends la musique, genre ouais attention, je suis centré sur mon enchaînement, contenu, machin, et j'oublie du coup de rallumer ce putain de... Donc bref, on s'en fout, c'est pas grave. Les élèves du direct, sinon ce serait moins drôle, j'espère que ça vous aura pas trop cassé les couilles. Sur ce, je fais un tour très rapide de vos propos... Voilà, pas de questions, a priori. Ah oui, mon question, ouais, bah, tu pouvais pas le savoir. Oui, ça se déroule au même endroit, sous la halle du village, en centre-village. On fera rien au château, parce que c'est trop petit, et mal sonorisé. Donc, tout, pas d'expo, là, tout sera sous la halle, au centre du village, et sur la pelouse qui est devant le château, où il y aura l'atelier solaire de Jean-Louis, les ateliers géobio de Benoît, bref, et il y aura les zones de Raphaël exposés. Mais sinon, voilà, c'est au même endroit que l'an passé. Ouais. Donc voilà, 15, 16, 17, 18 juillet, alors c'est en semaine, hein, je sais, parce que les week-ends, il y a plein de trucs, tout est pris, et puis... Puis les week-ends, c'est les périodes de transfert. Donc je le fais en semaine. On est à 4 mois d'avance, hein, donc j'espère que ça vous permettra quand même de trouver au moins 2 jours pour venir nous voir et faire un peu la fête et réinventer un peu l'avenir en réinventant le passé. Parce que voilà, c'est un bel événement, qui est unique en son genre, avec du contenu informatif, sérieux, du contenu festif qui déchire, bonne bouffe, bonne boisson, dans un endroit qui déchire. Avec la montagne, avec l'étang, le lac, enfin je veux dire, la forêt à 2 pas, c'est vraiment extra, quoi, c'est vraiment génial les conditions que nous avons là, donc je suis content d'avoir une belle édition cette année sur 4 jours, 4 thématiques béton, je veux dire, encore une fois, nous serons à la pointe du sujet, à la pointe du domaine, donc ça vaut le coup, et voilà, et le soir on fera la fête, et ma foi, ça ira bien, quoi. J'espère vous voir en masse cet été à Bugarrache, ainsi qu'au stage qui suivra, hein, le 21 à 21 juillet, du coup le stage dans la foulée, le dimanche 21. Le Paradj, je prends fin le jeudi 18 au soir, et le stage Opération Bugarrache commencera le dimanche soir, dans la foulée, dimanche 21, et puis le lundi 22 juillet. Donc si tu peux enchaîner le Paradj et le stage, attention, ça va être optimal.
Voilà, sur ce, je vous dis bonne fin de soirée. Moi, j'ai mangé un morceau. Je vous la souhaite, voilà, je vous la souhaite douce également. Merci de votre présence, merci de votre soutien, merci de votre attention, merci pour la qualité de vos retours. C'est aussi pour vous que je le fais, parce que je vois qu'il y a des gens qui captent, qui apprécient, et qui captent, qui comprennent un peu l'intérêt, et qui y mettent du leur du coup, et ça fait synergie. Et ma foi, c'est bien, c'est nécessaire. Alors, continuez, vive la France, vive l'Occitanie, vive la Catalogne, vive les Visigoths, et vive les Pyrénées. Bonne fin de soirée, merci le ciel. On parlera aussi de Notre-Dame le 15, les ailleurs et tout, donc merci aussi aux forces du ciel. Ben, merci aussi aux forces du ciel, et j'espère que, comme à Limoges, dans quelques jours, la main tendue sera bientôt saisie, que ce sera de notre part ou de la leur, que voilà, l'échange va continuer de s'intensifier entre nous et eux, entre la terre et le ciel, pour que son royaume du ciel advienne sur la terre. D'accord?